Ils sont venus vers John Wesley. Vous voulez voir un petit peu le parcours de John Wesley? Ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le Christ. Puisque c'est lui, nous ne voulons pas élever les hommes. Nous voulons élever le Christ. Et nous voulons se soumettre et s'humilier sous la puissante main de Dieu. À lui toute la gloire. Et puis une équipe d'enfants est venue. Ils sont venus en avion dans l'Europe. Ils sont venus en Angleterre. Et ils sont venus dans la propriété de John Wesley. John Wesley, il a emmené 20 millions d'âmes à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme à genoux. C'est des hommes à genoux que le Seigneur lui donne. Il y en a trop qui sont debout. On devient des professionnels dans les hauteurs. On devient des concurrents peut-être dans les galeries, dans les marques. On est bourré. On bourre nos enfants. Proverbe 22, verset 6. Tu dois enseigner à tes enfants. On a peur de l'avenir. On les place dans les banques, on les place dans des positions très élevées. Mais on a besoin de les élever dans l'adoration. C'est là qu'on commence tout. La puissance de l'adoration. La puissance de l'humilité. La grandeur de l'humilité. Mais qui se mêle à l'amour. Et puis, des enfants sont nus. Parce que John Wesley, il y avait des marques et des traces dans sa maison. Il y a peut-être trop d'affaires dans ta maison. Il y a peut-être trop de choses. Il y a peut-être trop de garnitures. Et puis on n'est pas assez à genoux, peut-être. On est conquis dans les choses. On est peut-être évolué, peut-être dans les choses. On se jette, on se projette dans l'avenir, mais sur la terre. Alors on a des biens. Et puis on veut étaler nos enfants et tout. On veut tout garnir, comme si on va rester ici. Comme si nos maisons sont sur la terre. Alors on évolue, on grandit, on rajoute, et puis on fait plein de choses, on met plein de peintures, et puis on en met plein sur la table. Et puis le Seigneur, il dit, regarde, tourne-toi, regarde tes pas dans la vallée, il n'y a pas de trace, tu ne portes aucun fruit. Je voudrais avoir de la place dans ta vie, je voudrais être grand dans ta vie, et je voudrais t'épanouir, je voudrais que ta vie soit comme un jardin, je voudrais cultiver ton cœur, et je voudrais avoir la place de l'adoration, mais j'en ai pas, tu sers. Tu sers, tu pars, tu vas là-bas, tu vas à la convention, tu vas à la mission, tu te trouves dans les retraites, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas partout, mais tu ne portes aucun fruit. Je voudrais que tu t'arrêtes ce matin. Je voudrais que tu t'arrêtes un petit peu. Tu es parti trop loin. Trop loin. On peut servir, être religieux, mes amis. On peut prier, être charnel. Ah oui. On peut parler de la sagesse et puis faire des cris et renverser nos foyers. On n'est pas établi. On peut lire la Bible, puis on peut être intellectuel. Ben oui. On peut avoir une épée et blesser nos enfants. Y a-t-il une doctrine sans la Bible? Y a-t-il une onction sans le Saint-Esprit? Y a-t-il une direction sans le plan de Dieu? Y a-t-il des choix sans l'appel de Dieu? C'est pas vous qui choisissez, mes amis. Vous êtes comme moi, la poussière du balai, mes amis. Nous sommes que là, c'est lui qui nous sert. Mais nous sommes devenus des riches dans la foi. Mais où est la richesse? Où sont la balance que Dieu pèse? Où sont ces richesses? Est-ce que Dieu voulait sonder et placer? Est-ce que Dieu voudrait parler à ta vie pour te rappeler? Viens un petit peu. Je voudrais te rappeler. Je voudrais que tu rentres dans la propriété de John Wesley pour découvrir ce que nous avons découvert. Et puis les enfants ont commencé à rentrer dans la propriété. Ils ont rentré dans la maison. John Wesley... Il connaissait la Bible par cœur. Il a mangé. Il a dévoré. C'est dommage, il y en a qui la lisent, mais ils ne l'ont pas mangé. Il n'y a que ceux qui mangent qui la connaissent. Et il n'y a que ceux qui vivent qui peuvent la communiquer. Il n'y a que ceux qui sont forts qui deviennent faibles. Et il n'y a que ceux qui sont faibles qui deviennent forts. Il n'y a que ceux qui sont à genoux et qui commencent à adorer. Il n'y a que ceux qui s'arrêtent de parler qui commencent à parler à Dieu. Et il n'y a que ceux qui se taisent que Dieu parle. Comment parler à Dieu? Et comment savoir parler à Dieu? On ne commande pas Dieu, mes amis. Vous êtes trop loin si vous commandez Dieu. Non, il faut être un enfant avec lui. Il faut commencer comme un enfant. Et il faut finir comme un enfant. Il faut grandir. On commande, on devient des commandeurs, on devient des pilotes, on devient des patrons, on commande Dieu. Vous allez commander Dieu. Job, Dieu a dit à Job 33, elle dit, tais-toi, regarde qui a créé la mer. Qui a donné les limites de la loi à la mer? Elle est vague. Qui t'a formé? Regarde, t'étais de l'argile. Je t'ai formé comme de l'argile. Regarde les poissons. Qui les a découverts? Est-ce que je n'ai pas donné la loi? Est-ce que je ne passe pas à travers la tempête? Est-ce que je ne me lève pas dans l'univers? Est-ce que l'univers n'est pas mon balcon? Et quand je descends, regarde mon trône. C'est le ciel. Tu veux me commander? Alors tais-toi. Je vais commencer à t'enseigner ma sagesse. Il n'y a que ceux qui se taisent qui enseignent. Fais un peu silence, tu fais trop de bruit.
et tu comprendras ce que Dieu te dit. Trop de bruit, c'est dans le silence que je vais te former. L'humilité, elle fait beaucoup de silence. Mais l'adoration, elle fait de nous des hommes puissants. Alors John Wesley, il est là, un homme qui adore. Il prêchait combien de fois ? 780 fois par an. Toi, tu dois prêcher tous les jours. Dans les campings, dans les caravanes, dans les stores, partout où tu vas aller. Il faut que ton ministère, il soit imprégné, rempli, rempli de Dieu. Il faut que ta vie chrétienne soit imprégnée. Ne sois pas un carrefour, ne sois pas une farfouille. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit retrouver en toi. Il y a un ambassade en toi. Tu es le temple. Tu es devenu le temple. Et puis les petits enfants sont rentrés. Ils sont rentrés dans la maison. Ils sont rentrés dans la bibliothèque. Alors je ne dis pas les livres. Je ne dis pas. Il n'y avait pas trop d'alcool, non. C'était pas une cave. C'est la maison. Dommage, on fait les maisons, il y a trop de caves, il y a trop de boissons. Il n'en veut pas le Seigneur, ça, lui. Il veut beaucoup d'onction. C'est beau. L'alcool et l'onction, ça ne se mélange pas. La colère et la sagesse, ça ne se mélange pas. L'orgueil et le pan et la colombe, il n'y a pas de mélange. Oui, Seigneur, les pans ne rentreront pas au ciel. Les colériques ne rentreront pas au ciel. C'est ceux qui sont brisés, amen, qui sont humiliés, qui rentrent au ciel. Amen. C'est ceux qui se demandent pardon. Ceux qui calomnient, qui parlent sur les autres, ne rentreront pas au ciel. C'est l'œuvre du diable. Amen. C'est ceux qui font l'œuvre de Dieu. C'est à cause de la grâce que tu es sauvé. Et c'est pas parce que tu vis, c'est parce qu'il nous a sauvés. Amen. Le péché fait des perdus, mais la grâce, elle fait des sauvés. Et nous enlève. C'est pas toi le sujet, c'est lui le sujet. Mais il a fait de toi le plus beau sujet de l'histoire de l'humanité. Il t'a préservé. De la colère qui va venir, oui. Et puis les petits enfants sont rentrés. Puis ils ont fait le toit. Mais c'est dans la chambre que c'est passé. C'est là que ça a été bouleversé. C'est là que la lumière a éclairé. C'est là qu'a pris naissance. C'est dans la chambre. C'est toujours dans la chambre. Ferme ta porte, chez toi. C'est dans le secret, Jésus a dit, que ça commence. C'est pas dehors. On peut t'entendre. On peut t'écouter chanter. Oui, mais est-ce que ton chant, il est imprégné dans l'huile, dans l'humilité ? Est-ce que tu es émergé ? Est-ce que ton témoignage, tes mots sont bouleversants et convaincus ? Un convaincant, il est convaincu, mes amis. Un homme imprégné de l'huile, il touche les autres, ils sont imprégnés d'huile, et ça déborde. Une femme sage, elle bâtit sa maison, elle construit. Mais une femme qui est de la révolution, elle le renverse. C'est elle qui orne sa vie. À lui soit la gloire. Et puis tout à coup, tous les petits enfants sont rentrés dans le car. Et puis le guide, il a compté. C'est 50 personnes qu'on met dans un car. Et puis il a compté. Il manque quelqu'un, 49. Il manque Billy. Il n'est pas là, Billy ? Où c'est qu'il est, Billy ? Alors il est sorti. Et puis il est rentré. Il est rentré partout, partout, partout. Mais il est rentré dans la chambre. Il l'a trouvé, Billy. Il l'a trouvé à genoux. Il l'a trouvé. Et John Wesley n'avait pas de pierre de non spéciale. Le carrelage spécial, c'était du bois à l'époque. Mais il était dans les genoux de John Wesley. Il dit, Jésus voulait te trouver dans ses genoux. Amen, amen. Amen. C'est à genoux qu'il a commencé le Christ agonie, à Gethsémané. C'est là que commence le triomphe et la victoire. Jésus doit accepter la coupe de la mort. Et la mère de Pierre, de Jean, fils de Zébédée, sont nues. Elle est venue vers Jésus, elle a dit, « Seigneur, permets que l'un soit assis à droite et l'autre à gauche. » Et Jésus a répondu, « Tu ne peux pas boire la coupe que je dois boire. » Il dit, Jésus était oppressé et en agonie, en acceptant l'oppression, bien sûr, et que le diable et les démons étaient là, c'était un combat immense que Jésus était en train de faire, en train d'avoir vécu. Et comme des grumeaux de sang sortaient de son front, ce qui veut dire médicalement, c'est reconnu, la honte du cœur a explosé. Et c'est à genoux que Jésus a commencé. La victoire, elle commence à genoux. Jésus l'a déjà remporté à la croix du calvaire. Tu n'as pas à combattre le diable, c'est lui qui remporte la victoire. Mais c'est à genoux que Jésus a commencé. Tellement que l'apôtre Jacques, il priait, c'était à genoux que Jésus, il priait. Mais Jacques, il avait des cornes de chameau, tellement il priait. Il y a trop de travail, t'es usé par le travail.
Montre-moi tes mains. Montre-lui tes mains. Ils sont trop usés, trop lavés par l'eau, par les chances de la vie, astiqués, élevés, je ne sais pas, à peine, à toutes sortes. T'as le droit de travailler, mais comment tu travailles? T'as le droit de vivre, mais comment tu vis? T'as le droit d'avoir quelque chose, mais comment tu vis? Est-ce que tu es riche pour lui? Alors que l'église d'Éphèse, elle se dit riche, elle le disait. Dommage, c'est parce qu'elle le disait. C'est ceux qui vivent qui ne le disent pas, qui sont riches. C'est ceux qui sont pauvres qui deviennent des véritables adorateurs. Et que Dieu élève dans toute sa gloire. Parce que c'est là que Dieu élève. Et puis, Billy a commencé à s'élever. Je t'ai cherché, Billy. Viens, rentre dans le car. Il est devenu Billy Graham. Eh oui. Il a prêché à 200 millions de personnes. Il a visité 130 nations. Des stades remplis. Il a emmené des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Ah, je voudrais vous dire que Renard Banker, le plus grand évêque du monde. Eh oui, il a commencé à genoux aussi. C'est à genoux que ça commence, tous ces évangélistes et tous ces ministères, toute cette vie chrétienne. Et comment on est trois si des fois. Jésus nous demande d'être à genoux. Humilie-toi. Parce que c'est là que je vais commencer à t'élever. Ah, je voudrais vous raconter quelque chose d'extraordinaire de cet homme. Il n'avait pas un langage, il n'avait pas un message extraordinaire, merveilleux. C'était un message qu'un enfant pouvait écouter. Il prêchait le Christ. Les anciens disaient, quand il était en Afrique et qu'il prêchait, qu'il dit Jésus-Christ, il annonçait. Il dit, on me semblait que l'enfer tremblait et que la terre tremblait. Très peu de commentaires, plus de Jésus-Christ. Si dans ton champ, il n'y a pas le Christ, c'est rien. Si dans ta vie, il n'y a pas le Christ, ton témoignage n'a pas de saveur. C'est le Christ qui rend tout valable. Il rend la vie vécue dans ta vie. Et puis cet homme, il se trouvait là. Il se trouvait sur l'estrade. Et puis le Seigneur lui a donné une mission. Il avait 14 ans. Et oui, il faut attendre pour grandir. Oui, pour faire un légume, il faut 15 jours, mes amis. Pour faire un chêne, il faut 100 ans. Ça dépend ce que tu veux être. Tu veux un légume ou tu veux être un chêne? Oui, tu veux être un chrétien ou tu veux être un disciple? Si tu veux être un valeur, tu veux être un parleur ou tu veux être un mélanger? Tu veux trafiquer dans ton commerce, tu veux tout faire, tu veux mentir, non, tu ne vas pas au ciel. Ben non. Mais si tu as un homme à genoux, tu seras spirituel. Parce que c'est lui qui va diriger. C'est lui qui va commander. Ah, tout dépend si tu veux dormir. Tout dépend si tu veux t'éveiller. Tu veux être sous la tour quand Dieu te dirigeant. Et puis Dieu l'a conduit. C'était pas lui qui devait être. Non, son père avait les regards sur son frère. Son frère, c'était un cerveau intelligent. Il était intellect. Eh oui. Et c'est lui qui devait avoir l'église. Oui. Mais pas lui, pas Renard Banker. Il ne devait pas avoir l'église. Il ne devait pas avoir de mission. Toi, tu ne devais pas être ici. Moi, je ne devais pas être là. En jugeant mon apparence et notre apparence, on ne devait pas être là. Mais le choix de Dieu, le ciel s'est ouvert et lui, il est tombé sur nous. Amen. Et il nous a choisis. Il a choisi des choses folles et faible pour confondre les femmes. Il ne les a pas choisis par l'apparence. Et puis il est venu en Afrique. C'est le plus grand réveil du monde. Oui, c'est le plus grand réveil du monde. Il est à la tête de tous les réveils. Il est là-bas. Le plus grand chapiteau du monde, c'est lui qui l'a eu. Il est mort à 79 ans. Le président d'Afrique, il l'a appelé, bien sûr, il l'a appelé le général de Dieu. Il a été fracassé quand il est mort, cet homme, ce grand missionnaire. Mais pour vous citer que il y a des dieux derrière tout ça. C'est pas un commerce, c'est pas une chose, c'est pas une œuvre des hommes. Non, c'est une direction divine que Dieu lui donne à cet homme. Mais il était humble. Et Dieu conduit les humbles. Mais celui qui s'élève sera détrôné, parce que c'est pas ton œuvre, c'est pas toi. C'est pas ta propriété. Toi, t'es que locataire. Je te l'ai donné, mais ça t'appartient pas. Le jour où tu vas t'enflatter, tu vas te trôner, et tu vas t'élever, je t'enlèverai ça. Parce que c'est moi qui dois te glorifier au centre de ta vie. Et c'est moi qui t'élèverai. Au moment voulu, je t'élèverai. Et puis cet homme est venu en Afrique. Et il a fait un réveil. Il a commencé à semer, à comporter la vie, communiquer. Et partout, partout, des milliers, des milliers. L'Afrique fait 15 fois la France. La Russie fait 47 fois la France. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des pays étendus. Des milliers de personnes. Et puis il est venu là-bas. Et puis le Seigneur lui a donné. Et puis un jour, il y a eu une rencontre. Des milliers sont venus, des Africains sont venus, des milliers. Et puis il était sur l'estrade. Et pendant qu'il était à l'estrade, il a commencé à adorer, il a commencé à s'humilier, il a commencé à prier. Et puis tout à coup, il y a une onction qui est venue sur lui. Elle a commencé sur la tête. C'est sur ta tête que l'onction va commencer.
Il t'avoit d'une huile de joie pour te donner la force du buff. Parce que le buff, dans le contexte de l'Afrique, pour qu'il combat, il faut qu'il engraisse son corps près d'un arbre. Et quand il engraisse son corps, il peut aller dans des terres étrangères. Il a marqué son territoire. Eh oui, il y a des serpents qui s'appellent le Lagonda. Il fait 15 mètres de long. Il se jette sur le buff. Mais la seule façon que le buff peut remporter la victoire sur le Lagonda, lorsqu'il serre son ventre, c'est se laisser rentrer son ventre et rentrer ses armes. Et c'est l'huile qui combat pour lui. Je voudrais te dire que l'huile est sur toi. Amen. Mais ce qui fait ton triomphe, c'est la nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Mais l'onction qui est sur toi, c'est le combat que tu vas emmener et ton triomphe que tu emmèneras. Tu as besoin que tes armes, et puis il était sur les femmes, et que l'huile coule. Le psaume 133 nous dit que l'huile coule sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements. Les hommes ont besoin d'être voints. Mais le vêtement, c'est la femme, c'est le vêtement. Il faut que l'huile, elle coule sur elle. Et servir le Seigneur aux anges, dans la même onction. David a reçu l'onction dans sa maison, chez ses frères, chez lui. C'est chez toi que ça commence. Tu ne peux pas apporter l'huile vers les autres si tu ne l'as pas reçue. Humilie-toi dans le Seigneur. Et le Seigneur est tellement bon. Et puis l'huile, elle coulait partout. Il sentait l'onction qui était autour de lui, autour de lui, autour de lui. Et il ne comprenait pas. Tu n'as pas compris. Même Ramner bancaire, le gros cerveau, l'instrument, ne comprenait pas. Tu ne comprendras pas l'onction. Tu la comprendras lorsque tu es employé. Tu la comprendras lorsque tu recevras. Parce que tu as besoin d'une direction. Tu es trop froid. Tu es trop glacier. Tu es trop religieux. Tu as besoin d'être transformé. J'ai besoin, dit le Seigneur, de te briser. J'ai besoin de te transformer. J'ai besoin d'enlever les épines qu'il y a. Et ce matin, tu es comme un jardin que je rentre dans ta vie et j'enlève les épines et les roses. J'en connais les souffrances et j'en connais les combats. Moi seul peux les... peut les enlever parce que je les ai portés. Amen. J'ai été blessé pour toi. Et je vais changer les circonstances. J'ai donné ma vie pour ce jardin. Et tu es devenu ce sujet-là. Et puis tout à coup, cet homme, il a dit en lui-même, lorsqu'il recevait cette onction, il disait à celui qui chante, qu'il me laisse la place, il disait en lui-même. Et puis tout à coup, il lui a laissé la place. Mais il n'a pas tout compris. Et tu n'as pas tout compris. Mais Dieu a fait des œuvres à travers toi, à travers ton ministère, à travers ton foyer. Et tu te retrouves là ce matin. Et puis le Seigneur est en train de te renouveler parce que je vais ouvrir des portes pour toi. Je vais ouvrir des directions pour toi que tu ne connais pas et qui n'est pas venu à ton oreille. Ah, j'ai pris soin de tes enfants. J'ai chargé ton compte en banque, dit le Seigneur. Je t'ai donné, chaque jour, je faisais tomber de la manne. Quand tes enfants étaient malades, j'étais là. Quand au moment de l'extrémité, de l'accident, j'étais là. Quand tu soupirais, des combats et des soupirs sont montés jusqu'à moi. J'ai exaucé ta prière sans que tu le saches. J'étais au-devant de toi dans les conflits. J'ai arrêté le diable combien de fois. Combien de fois venait sur toi et t'attaquer pendant que tu étais à genoux. C'est là que je suis venu. Pendant que tu m'as adoré, c'est là que j'ai exaucé ta prière. Ton adoration, elle montait vers moi. Elle me flattait parce que j'aime être flatté par toi. Quand tu m'adores dans ma personne, dans ma personnalité, alors je m'élève, je suis élevé par toi. Et c'est là que je prends toute ma place. Mais tu parles de trop. T'as trop parlé, t'as trop murmuré. Et ce matin, je veux que tu te tais. Je veux briser ton caractère. Tu n'es plus un objet de bénédiction. Tu es devenu un objet de calomnie autour de toi. Tu en dis des mensonges. Tu répètes et tu produis. Tes fruits sont amers. J'aime pas tes fruits. J'aime pas. J'en ai horreur de tes fruits, dit le Seigneur. Ils sont amers et tu es comme les eaux de Marat. Je voudrais que le bâton de la croix, elle puisse rentrer dans ta vie pour te purifier. Je voudrais te laver, te nettoyer. Je voudrais t'ôter ce qu'il y a en ton cœur. Est-ce que tu es prêt encore? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Tu recevras l'onction. Est-ce que tu veux être un royaume en toi? Est-ce que tu veux être un palais en toi? Est-ce que tu veux avoir des hommes en toi? Est-ce que tu veux être riche? Alors commence à être pauvre. Commence à être dépouillé et tu seras riche. C'est là que je voudrais te briser dans ton caractère. Et puis l'homme, il a pris la parole. Et quand il a pris la parole, il a mis 4 sorciers les plus grands du monde. 2 derrière, 2 devant. Et puis ils ont dit, comme bancaire, il va prendre la parole, on va invoquer les esprits.
et puis il va tomber par terre. Devant tout le monde, il va s'humilier. Il voulait humilier le sujet de Dieu. Oui, mais il ne savait pas qu'il y avait le plus grand, parce que le diable s'est commis. Qu'il ne savait pas que Jésus-Christ était le triomphe, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est le souverain et le majestueux. Il t'arrive des conflits, il t'arrive des défaites, mais il est plus grand que ta défaite. Et ton problème, il est plus grand, oui, que tout ce que tu attends de vivre, ton deuil et ton complexe dans les moments les plus difficiles. Il est avec toi. Et puis tout à coup, les quatre sorciers ont commencé à invoquer. Il y a un serpent dans le monde, c'est le plus fort du monde. Il est en Australie, il est 400 fois plus fort que le cobra. Je voudrais te dire, même si le serpent, même si le diable, même si les démons, même si tous les péchés viendraient contre toi, si tu as le Christ, ils n'ont aucun pouvoir, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il est avec toi. Et puis ils ont commencé à invoquer des esprits. Mais il y avait le Seigneur derrière. Et oui, et il était avec lui, il est avec le ministère, il est avec leurs mains. Il travaille avec tes mêmes, Miel. Mathieu, il travaille avec tes mêmes. Fredo, il travaille avec tes mêmes, Seigneur. Il a été toujours avec vous. Il a toujours été avec nous. On a vécu des réveils avec lui. Je ne veux pas étaler l'œuvre. Je n'aime pas citer des publicités. Je n'aime pas ce genre d'endroit. Mais c'est beau, l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu s'est servi de nous. Des grandes œuvres. Quelle beauté. On n'avait rien. Est-ce que tu te rappelles, ma femme, on n'avait rien? Samedi, on n'avait pas grand-chose. Mais on avait tout, on était complet. Comment on a été complet? Des réveils, de la pénétrante. Les gens de la pénétrante, comme dit au Seigneur. De Bordeaux, d'Agen, de partout. Dieu nous a conduits. En Bretagne, de partout. Vous savez pourquoi? 3 jours, 3 nuits dans la prière, tous les 15 jours. Sans cesse. Jour et nuit, des âmes étaient brises, des baptêmes, des délivrances, des baptêmes d'eau, je vous dis pas, des possessions, des délivrances. Ça suivait de tous les côtés, tellement ça priait, parce qu'il y avait l'adoration. Et les quatre sorciers qui ont été là, bancaires étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça, l'homme rempli du Saint-Esprit. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Les quatre sorciers, ils ont attrapé de l'as. Ils ont étouffé, ils ont commencé à étouffer. Et puis, l'homme de Dieu, il a fait un appel. Des milliers sont venus, les sorciers sont convertis, il a prié pour eux, ils ont été guéris. Même les sorciers se convertissent. Ah oui, le Seigneur est grand. Voici ce que le Seigneur a dit. C'est tellement important. Le Seigneur avait besoin de vous dire ça ce matin. En Matthieu 9, en Matthieu chapitre 20 et verset 26. Il dit, quiconque veut être grand parmi vous, soit le serviteur. Et quiconque veut être le premier, soit votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les autres. Amen. Voilà dont le Seigneur nous fait donc la promesse et nous donne l'avant-goût de l'éternité, savoir s'humilier et servir. Jésus-Christ n'a pas cherché de se trôner, mais il s'est livré pour être crucifié. Il n'a pas cherché l'idée d'être, bien sûr, être roi comme Hérode, mais une couronne d'épines, pour que nous puissions comprendre que la couronne d'épines, qui faisait à l'époque entre 12 et 20 centimètres, elle était aiguë, et il y avait autour de lui environ 1000 hommes qui étaient autour de lui, puisque 600 hommes l'ont frappé dans le prétoire, dans le pavé où il y avait Pilate, qui avait une corde italienne, et qui avait une garde à César là-bas, et là, Jésus était là. Et on lui demande « Qui es-tu ?» Et Jésus reste dans le silence. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas livré combat dans le hangar et dans les mers. Il aurait pu appeler 12 légions de l'ange. Et une légion fait entre 3000 et 600. 6000 plutôt. Et Jésus ne dit rien. Et on lui met une couronne d'épines. Et on prend, bien sûr, c'est une espèce de balai, de bâton plutôt. Et on le tape sur sa tête, un roseau, sur sa tête. Et c'est assez lourd à cette époque, dans l'histoire de la nature. Et on tape sur sa tête, et les épines rentrent dans sa tête. Il ne dit aucun mot. Et le sang ruisselle sur son visage. Et tellement on le frappe, le prophète Isaïe dit qu'il est défiguré par les coups. C'est ce que veut dire dans le texte hébreu, qu'il n'a plus l'aspect d'un homme.
tellement où son visage, il a livré son visage. Il n'a pas esquivé, dit le texte biblique, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas détourné, mais il s'est livré son visage à ceux qui le frappent. Il s'est humilié. Il a obéi jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi, il a consenti à se livrer sur le plan de Dieu. Il a voulu se donner parce qu'il savait que le plan de l'humanité est le salut et que les hommes ne pouvaient pas être sauvés autrement que par une œuvre, que par un sujet, mais que par sa vie. Et c'était certainement pas par l'Holocauste et les sacrifices, mais c'est par son offrande, son corps, que l'humanité va être sauvée. Mais Jésus ne répond aucun mot. Et Pilate est là et dit « Echigomo, voici l'homme ». On lui entre son vêtement, son couture. Ce qui veut dire, c'est le véritable serviteur. Le véritable, il n'a pas de couture. Non, on ne rajoute pas un tissu neuf sur un vieux tissu. On ne mélange pas. Tu ne mettras pas l'huile sur ton épaule. Et tu ne mélangeras pas le mensonge à la vérité. Tu ne t'habilleras pas de plusieurs couleurs. Tu ne semonceras pas entre les talons des chevaux, des animaux plutôt. C'est ce que le Seigneur, oui, tu ne mélangeras pas tout ce qui est pur. À celui qui retranche, celui qui ajoute sera retranché du peuple. Mais le Seigneur veut ce qui est pur. Et on lui ôte ses vêtements. Et on lui met un vêtement de pourpre. Lui, le véritable serviteur. Celui qui a lavé les pieds de ses serviteurs et de ses apôtres. Il prend une bassine, se remonte les manches. Et là, il commence à laver les pieds. Et là, il arrive à Pierre. Et Jésus, accoubli, il est à terre. Il est en bas, tout en bas. Il le regarde face à Pierre. Et Pierre hésite. Il ne veut pas. Il dit non, Seigneur. Il ne veut pas. Non. Il a bien compris qu'il ne voulait pas, que c'est lui le supérieur. Il n'y a que ceux qui sont abaissés que le Seigneur l'humilie. Mais il n'y a que ceux qui servent à laver les pieds des autres. Ce n'est pas facile de laver les pieds des autres. Si nous avons été lavés par le sang de Jésus, nous pouvons laver les autres. Mais il y en a qui veulent laver. Ils ne sont pas lavés eux-mêmes. Commence à être lavé, et tu pourras laver les autres. Commence à être purifié. Je t'ai vu au désert, au fond du désert. Je t'ai vu. Tu baignais dans ton sang, ton nombril baignait dans ton sang, et tu étais nu. Et Dieu, Seigneur, je suis passé près de toi, je t'ai recouvert d'un manteau brodé. Quel salut! Je voudrais te dire que peut-être que tu as froid. Viens vers lui, il veut te revêtir. Amen. Tu es peut-être nu, il a besoin de te donner d'un revêtement du salut. Le Seigneur est tellement bon. Et puis Pierre a dit non, Seigneur. Et Jésus a regardé d'en haut. Il a dit, si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Mais Pierre a dit, le corps tout entier. Il y en a qui se lavent les pieds. Mais l'âme n'a pas été lavée. Il y en a qui ont donné leur vie, leur âme au Seigneur. Mais ils n'ont pas donné leur corps. Jamais de temps pour la prière. Jamais de temps pour servir. Il faut que je fasse mes affaires. Tu pars en mission. Ah non, il faut que je monte un mur. Tu pars en mission. Ah non, il faut que je monte une maison. Tu pars en mission. Ah non, je ne peux pas, mon ami. J'ai des affaires à faire. Il y a le marché, il y a ci, il y a là. Mes bœufs, ma maison, mon champ. Il y a toujours ça. Et alors pour lui, il n'y en a rien, là. Qu'est-ce que tu lui donnes, là? Qu'est-ce que tu as donné? Tu as donné quoi? La crainte de ne pas partir? Est-ce que c'est lui qui ne va pas t'alimenter? Est-ce que c'est lui qui ne va pas te nourrir? Regarde les oiseaux du ciel, est-ce qu'il n'est pas nourri? Il faut lui faire confiance. Tu dépends de toi ou tu dépends de lui, alors? De quoi tu dépends? Le Seigneur a dit à Renard Banqueur, il a dit, voilà, tu veux combien? 1 million d'âmes ou 1 million d'euros? Il a dit, Seigneur, je veux 1 million d'âmes. Vous savez combien d'âmes il a emmené à Jésus-Christ? 80 millions d'âmes. Vous savez combien de baptêmes il a fait? 50 millions de baptêmes. Tout dépend de ce que tu veux dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne. Tout dépend pour qui tu vis. Alors mets-le en évidence, mets ses richesses et tu verras combien il te donne. Mais l'apôtre Pierre nous introduit dans la beauté de l'humilité. Et il nous regarde dans cette vie de triomphe. Parce que l'orgueil, elle nous terrasse, elle nous fait mal, elle nous casse, elle nous brise. L'orgueil, c'est le pan. Et si vous regardez le pan, il a des détails, il ne faut pas rester là-dessus. Mais il a des détails importants, parce qu'il est typifié quand même. Pour la colombe, c'est l'humilité, la pureté, la douceur. C'est le symbole du Saint-Esprit. Parce que parmi les 500 millions d'espèces d'animaux que Dieu a créés, c'est la colombe qui a été choisie. Vous savez pourquoi? Elle n'a pas de fiel. Un chrétien, non, il n'a pas de haine. Il n'a pas d'orgueil. Il sait demander pardon. Il sait reconnaître ses torts. C'est quand tu reconnaîtras tes torts que le ciel va s'ouvrir. Le pardon, c'est plus rempli, c'est plus y penser. Si tu as une différence avec quelqu'un, et tu t'es mis en colère avec quelqu'un, et tu as peut-être de la haine contre quelqu'un, un rancœur, alors tu n'as pas le droit de prendre ta Sainte-Sainte. Matthieu 5, 25.
parce que le pardon, il est avant la Sainte Cène. Il est avant de monter un chapiteau, il est avant de mettre des fleurs, il est avant de chanter un cantique, il est avant de ministère, il est avant d'être à l'école de Dieu. C'est ce qui va te projeter dans l'avenir. Parce que pas pardonner, c'est d'être comme Caïn. Mais pardonner, c'est de dire, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon est salutaire, fait partie du salut, il est lié dans le salut, il est compatible dans le salut. Le pardon nous élève, il triomphe contre la spie, contre les serpents. Psaume 91, tu repousseras le lion et l'ours qui viendra contre toi, et tu mettras ton frère, tu le rendras libre. C'est ce que Jésus a dit, parce que c'est toi qui dois y aller, et c'est pas lui. Et tu le rendras libre, alors tu amasseras des charbons dans ta tête. C'est pas facile, c'est compliqué. Il y a des pardons qu'on ne peut pas. Il y a des pardons qui sont très... Il faut le miracle du pardon. Et c'est ça que le Seigneur il fait. Il fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Comme Jacob qui a demandé pardon, qui a pardonné son frère, Ésaü. C'est le véritable pardon. Le pardon de Jésus est un pardon divin qui a pardonné l'humanité. Il nous a pardonné. Le pardon s'est effacé. À lui toute la gloire. Mais humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il nous élèvera autant comme l'arbre. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Le texte littéral, c'est courbez-vous sous la puissante main de Dieu. Ah, c'est pas facile de s'humilier. On était à la fin de l'école biblique, et puis il y a un frère qui est venu, et puis il a dit, voilà, son frère devait... C'était terrible parce qu'il est mort, son frère, on l'a tué. Et puis il est venu vers moi, puis il y avait son cousin Germain, bébé, qui était là. Et puis il a dit, comment je vais faire? On a tué mon frère. Alors je dis, écoute, c'est pas mes mots que je vais utiliser, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que ça soit le moment, et laisse travailler ton cœur, et le moment viendra, ou tu le pardonneras, tu verras. Et puis il y a eu le moment, la triomphe. Il a pardonné, c'est pas facile. Je me rappelle à Vittel, la convention, où notre frère Paillon, un géant dans la doctrine, dans l'enseignement, où j'ai travaillé avec lui pendant 30 ans à l'école biblique. Il fut mon ancien, j'étais à Sépi. Je sais de quoi je vous parle, parce que j'étais constamment avec lui. Mais laissez-moi vous dire, c'est extraordinaire, lorsqu'il a apporté le tout accompli, il y avait une sœur parmi... Il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là. Une vieille sœur est venue, elle montait sur les sables. C'était une femme de Dieu. Je l'ai connue, je priais avec elle. Elle m'expliquait des expériences. Elle ne faisait que prier que pour Israël. Elle avait à cœur le peuple d'Israël. Mais c'était une femme de Dieu. Elle a monté sur Israël. Elle a pris son ennemi dans ses bras. Vous allez faire ça, vous? Alors, parce qu'on avait tué son fils. Mais c'est impossible de le faire. Mais le pardon est élevé, mes amis. Il est glorieux, Seigneur. Il faut être un homme de Dieu et une femme de Dieu. Il faut la force de Dieu. Mais il faut s'humilier sous la puissance. Il faut se courber devant lui. C'est lui qui nous élève. À lui tout à l'heure. La raison de s'humilier a fait qu'il nous élève autant comme Nabal. Josué était terrassé. Il avait remporté la victoire sur le Jourdain. Le Jourdain, l'arche de l'Alliance. C'est le miracle, c'est le type du Christ. Ah oui, l'arche de l'Ancien Testament est de bois d'acacia. L'arche du Nouveau Testament, il est de chair. C'est le Christ. Il marche. Il a des regards, il a une vision, il a un cœur, il est plein d'amour. Et c'est lui qui fait le miracle à travers nous. Mais Josué, il a pris Jéricho, les murs de Jéricho, mais ils étaient épais. Ils étaient une épaisseur de 7,50 m. Ils faisaient 9 mètres d'auteur. C'était imprenable. Jéricho, c'est le plus bas du monde. Elle est à 200 mètres en dessous de la mer. Jérusalem est à 400 mètres au-dessus de la mer. Et c'est tout en bas. C'est la ville des palmiers. Il y a des belles fleurs. Mais il y a une formation d'école de Dieu, des hommes de Dieu. Mais c'est une ville de distraction. Jéricho. Où Jésus a cité Jéricho, où Jésus a été aussi pour guérir. Mais laissez-moi vous dire que là, Josué a remporté la victoire. Le dernier jour, Hébreux chapitre 11 et verset 29, c'est par la foi que les murs de Jéricho ont tombé. Ah oui, il y a peut-être des murs qui sont invisibles, qui ont besoin d'être tombés ce matin. Et les murs de Jéricho ont tombé. Et gloire à Dieu. C'est extraordinaire ce que le Seigneur. Mais il n'a pas pu prendre Haï. Lorsqu'il arrivait à Haï, il n'a pas pu prendre. Il ne s'est pas humilié. Il n'a pas fait la vision. Il n'a pas fait l'inspection sur le peuple. Il a fait une erreur. Il avait remporté la victoire. Dieu avait pris Moïse pour libérer le peuple en Égypte, à Goshen. Mais il prend Josué pour le conduire dans une terre promise. Il a 45 ans lorsqu'il sort d'Égypte. Il a 80 ans lorsqu'il reçoit la mission divine. Il a la mission à la rester 30 ans sur lui. Dieu lui a accordé. C'est à 110 ans qu'il est mort.
Mais il a dit, moi et ma femme, c'est-à-dire moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. J'ai lu tout le livre de Josué. Je n'ai pas trouvé le nom de sa femme. Mais il dit, mon foyer, c'est pas grave que la femme n'ait pas cité. Mais elle est importante dans le foyer, la femme. Très importante. Ils font un pour servir le Seigneur. Parce que c'est elle qui bâtit, qui construit, une femme de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, et qui sert le Seigneur comme la Samaritaine. Elle laisse le vase. Elle dit, venez voir un homme, humanité. Ne serait-ce pas un prophète, ministère prophète, ne serait-ce pas le Christ, divinité. Oui, parce que c'est le Christ qui est là. Elle dévoile sa vie. Et elle, toute la Samarie, elle est bouleversée. Tu pouvais bouleverser les conflans, tu peux bouleverser Herblé, tu peux bouleverser ta vie, mais il faut que ta vie soit bouleversée avec ton mari devant. Ça commence chez toi. C'est là que ça commence. Et puis Josué n'a pas fait l'inspecteur. Et puis tout à coup, il y avait Achan. Il avait péché. Il avait gardé le péché. Il avait gardé le manteau de Sinéar et le butin d'or. Il l'avait gardé sous la tente. Ah oui. Si tu fermes tes yeux, tu n'iras pas au ciel. S'il y a le mal chez toi et l'interdit chez toi, ton fils a volé, tu fermes tes yeux, tu iras en enfer. Ta fille a péché, elle a commis l'adultère, tu fermes tes yeux, tu ne la reprends pas, tu nourris le péché, tu resteras sur la terre. Ton fils a volé quelque chose, les gendarmes arrivent, la gendarmerie elle arrive, elle te prend à toi, elle te prend à toi, t'es receleur. Oui, mais il ne faut pas avoir peur de la gendarmerie, c'est de lui qu'il faut avoir. Important. Alors que les choses soient dévoilées et que vous compreniez tous ces choses. Il n'avait pas fait l'inspection, mais le péché d'Achan était sous la tente, et le manteau de Sunéa, et le butin de l'or. Il vaut mieux être pauvre, être en or, et recevoir l'or de la parole du Seigneur. Et puis, Josué a fait l'inspection. Il a appuyé tout le peuple, et puis tout à coup, il a dit, si vous avez de l'interdit dans vos valises, vous n'aurez pas de victoire. Aujourd'hui, l'Éternel va opérer un produit. Mais il a dit, ôtez à condition de vos valises, l'interdit de vos valises. Et là, Achan est venu. Et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai gardé le manteau de Sinéa et j'ai gardé l'or. Il s'est humilié. Ce matin, il faut s'humilier et ouvrir nos valises. Il y a peut-être de l'interdit, il y a peut-être de l'alcool dedans. Il y a peut-être du mensonge dedans. Il y a peut-être de l'orgueil dedans. Je ne dis pas que c'est une généralité. Mais, laissez-moi vous dire, il y a des choses qui sont la sanctification, mais il y a des choses qui sont salutaires. Ah oui, parler beaucoup, c'est salutaire. Être orgueilleux, c'est salutaire. Ah oui. Une femme qui s'habille très courte, c'est salutaire. Ah oui. Le rapporteur, c'est salutaire. Les choses qu'on rajoute, c'est salutaire. Ah oui. Vous ne disiez pas la vérité dans votre commun, vous irez pas au ciel. Vous mentez, vous trafiquez. Parce que le ciel, il est pur. Et pour aller au ciel, il faut être pur. Il faut être affranchi par la vérité. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes plus des enfants. Afin que vous compreniez les choses que Dieu a en train de nous dire, les choses importantes, ôtez de vos valises. Vous parlez un petit peu, manque de sanctification. Vous ne lisez pas la Bible, manque de sanctification. Vous priez un petit peu, manque de sanctification. Oui, mais tu as besoin d'une vie de sanctifié. Et sanctification, d'être mis à part. Et puis là, le peuple a ôté leurs valises, a ôté leurs choses, et il a remporté la victoire sur Haï. Le Seigneur veut nous élever. Il veut nous. Nous ne voulons pas citer de publicité. Il a fixé le temps de nous élever. Et le Seigneur a dit à Josué, je vais commencer à te lever. C'est là que le texte de l'apôtre Pierre, il prend ce qui fait notre publicité, c'est un danger. On commence à se trôner. La règle d'or, c'est s'humilier pour qu'il grandisse. C'est tellement important. Est-ce que nous sommes prêts à laisser passer? Est-ce que nous sommes prêts à être méprisés et à être persécutés pour bénir notre prochain, à s'humilier? Est-ce que nous sommes prêts à être brisés sous le pressoir du fruit de Gethsémané pour que l'huile coule? Ah oui. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre propre intérêt pour suivre le Christ? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos siennes et notre barque, nos filets et nos poissons, notre activité pour l'œuvre du Christ? Est-ce que nous sommes prêts? Qui on veut chercher? Le ciel s'est passé ou le Christ qui apparaît dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt à regarder les choses du monde comme de la boue, comme des rebuts? Est-ce que nous sommes prêts à la conquête de toutes ces choses ou la spiritualité, à la vanité? Paul dit, j'ai renoncé à tout. Je vois tout comme de la boue, mais c'était l'apôtre Paul. Eh oui, mais c'est l'exemple.
C'est l'homme qui vient après Jésus-Christ. C'est le plus grand missionnaire de tous les temps. Il a fait tout l'Europe. Il a visité tout l'Europe. L'Asie, la Grèce, l'Italie. Il est venu jusqu'en France, à Fréjus. Il est venu jusqu'à Marseille. Il a été jusqu'en Espagne. Il n'y a pas un lieu là. Il a apporté l'évangile. Il a écrit les 13 épîtres. Il a enseigné les 86 doctrines. Il a vu 6 fois le Seigneur. Il a vu des choses extraordinaires. Quand il y a la révélation de 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, j'en viens à la vision, à la révélation. Il dit, je connais un homme. Ah, il s'efface. Il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps, en dehors de son corps. Mais il dit, il fut enlevé au jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection. Il fut enlevé. Il dit, j'entends des choses ineffables, des choses inexplicables. Ah oui, mais c'est un cerveau, messieurs. C'est le plus grand docteur du monde. C'est le plus grand enseignant. Et pour la révélation et la vision, il dit, je connais un homme. Il parle de la troisième personne. Ne pas s'élever pour faire l'œuvre de Dieu, mais élever le Christ dans l'œuvre de Dieu. Amen. Jamais dire, c'est moi qui a fait cette œuvre. C'est lui, il nous a employés, et c'est lui à toute la gloire. Oui, Seigneur. Quand il vient à la résurrection, à l'enlèvement d'église, il dit, frère. Ah oui. Quand il y a la justification dans l'Épître aux Romains, il dit, serviteur de Jésus-Christ, esclave du Christ. Ah oui, il ne s'élève pas. Et quand Jésus utilise le service, il dit, le Fils de l'homme est venu pour servir. Ah oui, il n'est pas venu se trôner. Et quand il monte à Jérusalem, il ne prend pas le cheval blanc, comme les Romains et les Césars qui montaient à Rome à cette époque, et qui triomphaient, et qui montaient à Jérusalem, ou qui montaient à Rome. Non, il est monté sur le petit d'une ânesse. Il n'a pas de sandales de fin lin avec des tissus d'or. Non, il a des sandales d'esclaves où Jean-Baptiste n'est pas digne de se courber devant lui. Il n'est pas digne. Mais à lui toute la gloire. Qui après a regardé le monde comme de la boue? C'est le Sadhu Sundersin qui a dit ces mots. Alors que là, il y avait une équipe qui était là, des hommes qui se sont convertis à Jésus-Christ. Il était jeune. Il avait environ 15 ans, le Sadhu. C'était un hindou. C'était le fils de prince. Il devait recevoir des capitales et des richesses. Et son oncle lui a dit, voilà. Il a dit, voilà. Dit, tu choisis entre Jésus et la richesse que je vais te donner, le coffre que je vais te donner. Il a dit, j'ai choisi la richesse, je choisis Jésus-Christ. Il est parti dans les galères, dans la nature. C'est lui qui a fait l'œuvre. En Inde, Dieu a choisi lui. Il a choisi Hanson Taylor pour la Chine, mais il a choisi le Sadhu Sundersin. Il a choisi cet homme alors qu'il était près d'un arbre. Il regardait le ciel et puis il disait, je regarde cette nuit-là, les étoiles, il dit, c'est le paradis qui est dans mon cœur. Et le Seigneur l'a commencé à le forger. Il l'a dépouillé de tout. Dépouillé de toutes ses richesses. Il est parti à l'aventure et il l'a appelé pour un... Il est devenu apôtre. Il est devenu missionnaire. Il est parti en anglais, en Angleterre, il a appris l'anglais, il a appris l'école, il a appris les doctrines, mais il est parti vite fait. Et il a dit, voilà, je pars pour le Seigneur, je veux ni bourse, ni épée, ni bâton, et je pars. Et il est parti dans la brousse. Et quand il est parti dans la brousse, il a commencé à jeûner pendant un mois. Et il comptait avec des pierres. Pendant un mois, il a commencé. Et c'est dans le jeûne qu'il a commencé. Et il s'est incliné. Il s'est dépouillé de tout ce qui était du monde. Il savait que Dieu le projectait. Comme Moïse, il était derrière le troupeau. Comme Jésus, il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il aurait pu avoir. Mais Jésus est venu accomplir le plan divin. Et là, le Sadhu Sundersin était dans la forêt. Et au bout d'un mois, de 40 jours, on est venu le chercher avec des civières. Et c'est là que l'œuvre a commencé. C'est quand il est à terre. Comme le bâton est à terre, comme l'instrument est à terre, comme le Sadhu Sundersin est à terre, que des hommes commencent, c'est là que l'œuvre de Dieu commence. L'œuvre de Dieu a commencé là. Et il partit pour la conquête des âmes. Il est parti dans les villages. Il s'est rétabli, il s'est nourri. Ce matin, il faut que tu t'en nourris. Et il est parti dans les villages. Et je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Il a été jusqu'au Tibet. Il a été jusqu'à les montagnes de l'Himalaya. Partout, partout. Des baptêmes du Saint-Esprit. Des conversions partout. Et puis, à un moment, il est rentré dans un village. Et comme il est rentré dans un village, c'était dans l'humilier. Il ne pouvait pas s'approprier de l'œuvre de Dieu. Il ne disait jamais que c'est moi l'œuvre de Dieu. Mais il était l'instrument de l'œuvre de Dieu. Et puis, à un moment, il est rentré dans un village. Et puis, tout à coup, des hommes sont venus. Ils sont venus le taper. Prêt à le taper. Une équipe d'hommes. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu l'approcher. Impossible de l'approcher. Impossible. Ils le regardaient, prêt
attend la reine, mais impossible. Et puis le Sadou, il était protégé, il est revenu le lendemain dans le village. Et puis, les hommes ont dit, on voudrait savoir, Sadou, qui étaient les hommes qui étaient autour de toi? Et lui, il a compris, c'était des anges. Il l'accompagnait. Eh bien, il a envoyé un ange pour te préparer. Mais accepter, s'incliner pour l'œuvre de Dieu. Et puis les hommes ont dit sur lui, ils ont dit, on voudrait être tes disciples. Il a dit, je suis déjà son disciple. Je vais bientôt terminer. L'humilité, le caractère du Christ, qui est doux. Le caractère du diable et le porc, c'est l'orgueil. Il a 40 yeux. Vous comptez derrière son plumage, 40. Chiffre de l'épreuve et de la convoitise. Vos yeux doivent regarder vers le ciel. Comme Géasi, il ne voyait pas. Il suffit que le prophète prie pour lui, que les écailles tombent sur tu tombes, et tu regardes la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu dois regarder, mais c'est vers le ciel. Lot a levé ses yeux vers la plaine, il a convoité, il a choisi la plaine. Ah oui, mais la différence, c'est que Dieu dit à Abraham, lève tes yeux. Ah, ne lève pas tes yeux si Dieu ne l'a pas dit. N'écris pas si Dieu ne t'a pas dit d'écrire. Ne lis pas si Dieu ne t'a pas dit de lire. Ne va pas si Dieu ne t'a pas dit. Ah, si Dieu te l'a dit, alors vas-y. Même l'enfer sera contre toi, mais n'oublie pas que le ciel est avec toi, que le Seigneur est avec toi. Mais humilie-toi. Ah, oui, mais laissez-moi vous dire que l'humilité est un fruit spirituel. L'orgueil est charnel. Elle est ambitieuse. Elle est du blin. Elle est un poison mortel. Elle est mélangée à l'élévation. Elle est mélangée à la séduction. Parce que l'orgueil est une démonstration d'être démoli et cassé, d'être brisé. Mais l'humilité est de la douceur qui reste son fruit. Mais l'humilité est une racine qui prend devant Dieu. Exemple, Christ, le plus grand exemple. Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait, a dit Seigneur. Que vous soyez mes serviteurs. C'est la seule racine qui prend devant Dieu. Ah, l'humilité est la nature de Jésus-Christ. L'humilité, c'est pas parler, c'est s'effacer totalement devant lui, à lui toute la gloire. Qui est prêt à rechercher le ciel et à s'effacer? Qui est prêt à regarder le monde comme les choses de ce monde et les regarder à s'effacer? Ah oui, Jésus, je conclue, dans sa personne divine, il est né dans la simplicité la plus extrême, alors que c'est le Fils de Dieu. Il a 115 noms. Ah oui. J'ai compté tous ses noms. C'est Jésus de Nazareth. Ah oui, il est cité 1000 fois. Jésus dans le Nouveau Testament, 537 fois, Christ il est cité. Il est cité 7000 fois, Seigneur des Seigneurs. Mais c'est les noms qui sont glorieux, le roi des rois, fils de l'homme, fils de Dieu. C'est extraordinaire, mais il est plein d'humilité. Il est l'égal de Dieu, il est le fils de Dieu, il est la nature de Dieu, il est divin, l'infini et créateur, mais il est plein d'humilité. Il vécu, il grandit, il s'efface totalement. Il n'a aucun refuge. La maison, sa maison, c'est à Capernaum, Pierre. Son refuge, c'est le désert. Il n'a pas de temps. Il n'a pas d'école biblique. Il monte sur la montagne et il enseigne ses disciples. Il a bouleversé les disciples. Il a enseigné 115 sujets aux disciples. Ah oui. Il a enseigné 148 sujets au sujet des disciples. Mais c'est un bouleversement lorsqu'il enseigne. Lorsqu'il est dans la synagogue de Génézareth, il a 30 ans. Ah oui. À 30 ans, parce que c'est l'âge qu'on doit prendre la parole selon la loi dans les temples et dans les synagogues. 500 synagogues à l'époque de Jésus. Et Jésus rentre dans la synagogue. On lui remet le parchemin qui faisait 7,34 mètres, 29 à 32 lignes, qui datait de 750 ans avant Jésus-Christ, qui date du 4e siècle. C'est une peau de gazelle à cette époque. Et là, l'hébreu est écrit à l'envers, bien sûr. Parce que nous, on écrit, bien sûr, on lit de gauche à droite. Et là, c'est de droite à gauche. Et il commence à écrire. Les chapitres et les versets ne sont pas écrits. Il faut attendre le roi de France, au 13e, au 16e siècle, Robert Étienne Landau, pour écrire les chapitres et les versets de la Bible. Il y a 31 000 versets. Et il faut attendre à cette époque. C'est l'histoire. Je vous emmène dans l'histoire. Mais là, les chapitres ne sont pas écrits. Et là, il écrit, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Il dit pour guérir les cœurs brisés. Il y a peut-être des cœurs qui sont brisés. Vous savez, un vase en Europe, vous pouvez le reconstruire quand il est brisé.
Les plus grands professeurs ne peuvent pas reconstruire un vase d'un cœur qui est brisé, qui a été touché par le deuil, qui a été touché par des blessures, par la maladie, d'une perte chère. Impossible. En Asie, c'est le seul pays mondial, au monde, qui peut rétablir un vase brisé. Mais vous savez comment ils font ? Sur le brisement, sur les fractures, ils mettent de l'or. Il n'y a pas d'autre pays, c'est l'Asie. Toi, tu as été rétabli. Mais on ne voit pas tes blessures. Il a mis l'or de la parole. On ne voit que l'or. C'est l'or de la parole qu'on doit regarder. Et quand Jésus est dans la synagogue, il roule le parchemin, il le donne au serviteur, et tous étaient frappés de sa doctrine. Frappés, bouleversés, remués, changés de situation. Il dit, comment, n'est-ce pas le fils du charpentier ? Il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Eh oui, il vécut et grandit, s'efface totalement. Il n'a aucun refuge, aucune maison. Il n'a aucun lieu où reposer sa tête. Même sur la croix, à la croix du calvaire, qui était du bois de cèdre. Attendez, la croix, elle pesait entre 80 et 100 kilos quand Jésus porte la croix. Il n'est pas étonnant que la tête noire qui venait d'Afrique, on le pousse à porter le force pour porter la croix. On ne doit pas vous forcer. Pour être un disciple, il faut renoncer et se charger de sa croix. On porte la croix de la résurrection, non, et pas la croix de la crucifixion. La croix du triomphe, Seigneur, c'est la croix du triomphe. Mais quand Jésus est sur la croix, il penche la tête, et il rend l'esprit, et dit, tout est accompli. Et il penche la tête, il n'a aucun lieu, il n'a pas de position, il n'a pas de confort. Il n'a pas choisi le trône, c'est la croix qu'il a choisi. Et c'est sur la croix qu'il a effacé les actes, les condamnations. Il a abaissé la tête, il dit, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Quelle humilité. Et il dit, je suis comme un ver. J'ai compté tous les types du Christ. Il a 45 types. Le plus bas de tous les types, le plus grand, c'est le lion. Mais le plus bas, c'est le ver. Psaume 22, il dit, je suis un ver. J'ai regardé, pourquoi, Seigneur, un ver ? Pourquoi un ver ? Eh bien, un ver, c'est pour les pêcheurs, pour qu'ils voient la pêche, pour qu'ils prennent des poissons. Il ne faut pas commencer comme un lion. Il faut descendre comme un ver. Et puis un ver, vous savez pour ce que je eh bien, il va dans la terre. Il faut qu'il voit dans la terre, il faut qu'il soit caché dans la terre, qu'il remonte. C'est là qu'il se purifie de toutes ses saletés. Eh bien, vous voyez que Jésus, lui, ce n'est pas le ver. Il est, et c'est lui qui nous a purifiés. Et puis un ver, il est transparent. Il n'a pas d'autodéfense. Il n'a pas de corne, un ver. Non, il est repugnant. C'est repugnant. On se tourne. On a détourné nos regards devant celui qui était blessé. Il s'est chargé, il s'est dépouillé. Il s'était l'homme de douleur habitué. Il ne s'est pas élevé comme une plante desséchée, l'homme de douleur habitué, défiguré par les coups. Et puis, nous regardons bien sûr que il est annoté les cartes au nigeoir, 300 ans avant Jésus-Christ. Les crucifiés existaient à cette époque, parce qu'il y a eu 7000 crucifiés à l'époque de Jésus. Et les cartons du joie, comme ils crucifiaient, ils déshabillaient les hommes. J'ai du mal à vous dire qu'on lui a ôté ses vêtements et qu'on l'a allongé sur cette croix. Il n'a pas rebroussé, il ne s'est pas débattu, il n'a pas combattu. Il a livré ses mains, il a livré ses mains, il a livré ses pieds. Et c'est pas ici qu'on l'a crucifié. Hein. Einstein a fait des expériences. Au bout de 6 heures, la main se déchire. C'est ici qu'on crucifie. Vous comprenez ? Et Jésus a resté 6 heures sur la croix. Et on a fait des expériences. Des hitlériens, des savants. Einstein, tous ces hommes ont fait des expériences. C'est ici qu'on crucifie. Et Jésus a été crucifié ici. Et dans le talon d'Achille, ici. Et là, c'était des pointes qui étaient forgées de 30 à 40 centimètres qui étaient crucifiées et qu'on tenait les crucifiés. Et lorsque la croix elle est élevée, Jésus et son corps est dans le vide totalement. Il s'est livré, il obéit jusqu'à la mort. Mais il faut savoir qu'un docteur s'est converti à Jésus-Christ. On n'a pas besoin de ça. On sait que Jésus est crucifié. On sait qu'il est mort pour nous et qu'il s'est livré tout entier. Mais un docteur s'est converti à Jésus-Christ. Il a cité son expérience, il a fait une analyse médicale, on n'a pas besoin de ça. On sait que Jésus est mort. Il dit, comme un crucifié, on l'élevait sur la croix.
et dit tout son corps est dans le vide. Et quand on le crucifiait, les millions de globules disparaissaient. L'oxygène disparaissait de son sang, de son corps. Alors il fallait qu'il cherche, par ses capacités humaines intelligibles, qu'il s'élève. Et quand Jésus s'est levé, il cherchait de la respiration, parce qu'il étouffait là. Il dit, les pointes qui étaient là, il y a des milliards de nerfs, puisque scientifiquement, il y a plus de nerfs dans le corps humain que de fils de téléphone dans le monde entier. Tellement Dieu a crié en toi. Tellement Dieu n'a fait. On est un sujet d'extraordinaire, mon corps. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse, mais ton corps